était noir. Quantité 1, les versets 66. Luc là, hein? Faut changer ta perruque. Tu as coupé, non? Oui, coupé. Faut changer ta perruque. Hein? La lumière là. Les non, je peux pas. Oh, moi, quand tu fais ça, m'énerve. Quand tu me fais pas confiance, ça m'énerve. Ici, la lumière, on me voit bien. Comment elle me porte? Ah, voilà, Péry. Ah, voilà. Toi aussi. Connaître, connaître. Connaître, il y a Gberé. Ja, il a attrapé la gola aujourd'hui. Ja. FMPRU avec direct. Écoutez-moi, moi ce qui m'intéresse, c'est le travail. Vous mettez devant d'abord. Mais qu'est-ce qu'on était, Denise? Non, c'est ça. C'est la femme battante, la femme courageuse. C'est ça que j'essaie d'expliquer à mes petites soeurs, à ma génération. C'est pour ça qu'il faut que vous veniez au spectacle. Parce qu'il faut. Et puis quand vous faut parler comme tu as dit à faire direct là. De dire quoi? Il devait faire direct tout de suite. Hein. Il est venu me dévancer. Il n'est pas sorti un perruque même. Il est sorti sans perruque. Il est venu chez lui comme ça. Et t'as dit, hein? Non, oui. Tu qui as fini? J'ai dit. Mais après le spectacle, vous pouvez venir suivre le spectacle. Quand on a fini de faire le spectacle là, là, ça sera vidéo. Vous pouvez venir suivre le spectacle. Ouais, Frégis, ça va un peu? Ouais, salut, faut parler, pardon. Faut parler, moi, il n'y a pas la foutaise. Elle disait qu'elle fait direct. Moi, il fait direct, maintenant, il fait mon direct. Elle est portable. Maintenant, tu veux me voler la vedette à mon propre direct. Non, ouais. Non, mais tu me voles la vedette? Je ne vole pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est? Je dis, on réitère nos propos. Venez massivement, on réitère. Non, venez, elle nous voit se mentir. Quand tu es connu en 2016, là, tu ne pouvais pas dire ce mot-là. Non, l'argent rentre vraiment. L'argent change. Non, là, tu t'exprimes, là. Tu parles plus français, tu t'exprimes en français. Faut réitérer. Donc, je réitère. Vas-y. Je réitère mes propos. Je dis, ce dimanche, venez à l'heure parce que avant que le spectacle commence, il y aura un buffet et c'est offert, c'est gratuit. Vous pouvez manger. Il y aura la boisson qui sera payante sur place. Donc, vous allez pouvoir profiter. Et je prévois de mettre une caméra. Vous voyez les caméras qui tournent là, autour. Comme ça, vous allez pouvoir faire des vidéos amusantes. Que vous allez voilà, enregistrer et partir avec comme souvenir. Ça aussi, c'est offert. Mm-hmm. Donc, ne vous faites pas raconter. Venez vite pour qu'on en finisse aussi vite puisque vous aussi, le lendemain, vous devez partir au travail. Voilà. C'est pour ça qu'on a mis le spectacle à 18h17. Voilà. Maintenant, vous voyez que j'ai fait joli coiffure, je serai là. Maintenant, si tu es fan de moi, que tu n'aies pas mon numéro, il ne faut pas hésiter. Avec ce que je suis fan de toi, je n'ai jamais dit non, je donne mon numéro. Comme ça, donc j'ai fait joli coiffure, comme ça, pour... Donc, tu vois un peu, c'est comme ça. Parce que je vous aime tellement que je vous aime bien. Donc, merci pour tout ce que... Et puis, bon, Élise, t'as pas un dernier mot à dire? Tiens, un dernier mot à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que, pour leur dire là-bas que le dimanche, rendez-vous à partir de 15h maximum. On va s'amuser. Si Dieu savait que... Tu n'as pas mis caméra. Au nom de ma mère qui a décidé caméra chez toi, je te le jure. Je te le jure. Au nom de Dieu, caméra. Y'a Enis, je te le jure, caméra chez toi. Je te jure. Ah, c'est pas que t'as un miroir. J'avais mis miroir. J'ai mis caméra chez toi. C'est bon, ben. C'est bon. Non, c'est un gré, 7e tranche. Mm-hmm. À la pharmacie, 7 noms, tu es venu. Mm-hmm. Okay. En tout cas, merci d'avoir suivi le direct. Merci beaucoup. Voilà, et puis bon, voilà, voici encore. Ciao, que Dieu vous bénisse. Tu vois?